peut se faire des amis pour la vie. Où tout nous semble permis quand on monte le faux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Marie doit vaincre sa peur alors que la jument de Sarah tombe malade et qu'il faut lui venir en aide. Va chercher du secours. Bonjour à tous et bienvenue à Horseland. Il se passe toujours quelque chose dans ce ranch. Oui. Oh, d'ailleurs, il y a tellement d'activités qu'un chat ne peut pas faire sa sieste tranquille. Je t'en prie, Carlotta, le paysage est superbe. Je ne vois pas ce que tu trouves de joli dans une flaque de boue qui bloque le passage. Mais saute par-dessus. Tu te moques de moi, je suppose. C'est juste une flaque de boue. Courage, petite peureuse. Fais un essai. Tu crois que j'ai peur? Regarde ça. Et voilà. Salut, Scoop. Belle journée, tu ne trouves pas? Oh, c'est salissant. C'est juste de la boue, voyons. Pourquoi ça te fait peur? Je n'ai pas peur de la boue. C'est juste que je n'aime pas ça. Non, ce n'est pas ce que je préfère. C'est normal d'avoir peur. Tout le monde doit se lancer des défis à un moment de sa vie. Oh! L'important, c'est la façon de les gérer. Ça me rappelle la fois où Marie a dû vaincre sa peur. C'est bon, Marie? Oui, j'y suis presque. Les obstacles sont presque tous installés. Ça y est! Cette fois, c'est bon. Plus qu'un et on pourra faire une pause. Regardez, Chloé et Zoé s'arrangent toujours pour échapper aux corvées. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu comme ils s'agitent? Je crois qu'ils vont sauter aujourd'hui. Tu trouves qu'ils s'agitent, vraiment? Reviens les voir plus tard. Les jeunes vont participer à une épreuve de saut d'obstacles. Ne font pas plus attention, ça va devenir une épreuve de chute et de bosse. Arrête, ne sois pas si méchante. Oh, ça va, tu le sais et moi je le sais. S'il y a des sauts, il y a aussi des chutes. Les chevaux ont compris que quelque chose se préparait. J'adore les épreuves de saut d'obstacles. On vole au-dessus des buissons, on sent le vent dans sa crinière et l'adrénaline. C'est formidable. Ne t'excite pas trop, Apache. Si quelqu'un doit gagner cette épreuve de saut d'obstacle, ce sera moi. Chili ne manque pas de confiance en lui. Ça, tu l'as dit. Mais j'aimerais pouvoir en dire autant de Marie. On ne saute pas beaucoup, toutes les deux. J'ai l'impression que ça lui fait peur. Et moi, ça me terrorise. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, n'est-ce pas, Scarlett? Oh, j'espère que je ne vais pas décevoir Sarah. Qui passe en premier? Pas moi. Moi. Salut, Scarlett. Ça va, ma belle? On va faire du saut d'obstacle, d'accord? Écoutez bien, c'est le genre d'obstacle que vous devrez sauter lors des concours officiels. Il y a une porte, une barrière, des barres parallèles et un auxerre. Autrement dit, une combinaison de haies d'appel et de barres. Au cas où tu aurais oublié, on les a installées. Et c'est du très beau travail. Bien, on va apprendre à sauter par-dessus. Basile, tu commences. À toi de jouer, vas-y. Tu vas faire sauter Apache au-dessus de la barrière d'abord. Bravo! Très joli! Il est un champion! La belle affaire. Même moi, j'aurais pu le faire. Avec Basile sur ton dos? Ce n'est pas un problème. Chloé, tu as bien regardé Basile? Toujours. D'accord, les filles. Chloé, tu peux me dire quelque chose sur la technique de saut? Eh bien... Il a abordé l'obstacle au petit galop et un peu avant de sauter, il a baissé les talons. Puis il s'est penché en avant et au moment de sauter, il s'est mis en arrière pour que son dos fasse un angle droit avec celui du cheval. Un saut sans faute. C'était parfait, merci. C'est très bien observé. Donc, Chloé a bien regardé Basile. Mais Basile, lui, il regardait quoi? Excellente question. L'obstacle, bien sûr. C'est exact. Il avait les yeux fixés droit devant lui.
vers la barrière et la zone derrière pour savoir où atterrir. Ah. Tout le monde a bien compris? Parfait. Passons à la pratique maintenant. Qui commence? Moi. Vous trouvez qu'il s'est bien débrouillé? Attendez de me voir. J'en ai assez. Je commence à m'ennuyer. Qui a envie d'aller jouer avec une balle en paille dans la grange? Pas moi. J'ai envie de voir sauter les jeunes. Oui, moi aussi. D'accord. Ennuyez-vous bien. Bravo, Zoé. Merci. Rosa, tu veux essayer? Si je... Enfin... Oui, pourquoi pas? Ça va aller. Joli saut! Magnifique! Tu t'es bien débrouillé! C'est le plus réussi! Panache et toi, vous travaillez bien ensemble. Le plus réussi? Je ne suis pas d'accord. Ne t'inquiète pas, je vais venger l'honneur de la famille. Hé, Fred, j'y vais! Je t'en prie. Ça va, ma belle. Chloé vient de perdre un point pour avoir fait tomber une barre. Qui sait où elle a fait une erreur? Elle n'a pas regardé droit devant elle. C'est exact. Elle a baissé les yeux et son corps est parti en avant. Du coup, son cheval a fait la même chose. Il faut bien se souvenir de ça. Pendant un saut, on ne fait qu'un avec sa monture. Marie, à toi. On peut le faire, ma belle. Aie confiance et fonce. Je vous avais bien dit qu'on allait aussi assister à un concours de chute. Marie, tu vas bien? Marie? Ne la bougez pas. Marie, tu es blessée? S'il te plaît, parle-nous. Quand je suis tombée, j'ai eu le souffle coupé. Allez, tu veux faire un autre essai? Je laisse ma place aux autres. Scarlett et toi, vous n'avez pas sauté. D'accord, on y va. L'état de Scarlett m'inquiète. Coucou, Carlotta. Alors, ils travaillent toujours leur saut, est-ce que je vois? Enfin, pas tous. Marie a l'air d'avoir renoncé. Ça fait 2 jours qu'elle refuse de monter Calypso. Elle la selle, mais elle reste dans son coin. Mais pourquoi? Elle a peur, bien sûr. Les humains appellent ça la peur de tomber. Ce n'est pas comme nous. Exact. Je me demande comment Calypso prend la chose. Tout est de ma faute. Je m'en rends bien compte. Elle a eu peur. Et moi aussi, j'ai eu peur. Et... Tu n'y es pour rien, je t'assure. Parfois, ton cavalier tombe. Tu dois simplement... Scarlett, tu es sûre que ça va? Oui, ce n'est rien. Oh, promis. Ah, Sarah, tu as l'air d'une championne sur la piste. Tu vas gagner le prochain concours, j'en suis sûre. Tu as encore une journée pour t'entraîner, c'est bon? Je déclare forfait. T'as compris? D'accord, excuse-moi. En fait, ça m'étonnerait que je participe à un autre concours. Marie, arrête! Marie! Je ne voulais pas! Je suis née avant toi. Mon cheval devrait avoir le meilleur box. Ah oui, dans ce cas, il ne fallait pas voler la bride de Chili. Tu mens! Pas du tout! Ne comptez pas sur moi pour prendre parti, les filles.
alors, je te rappelle que toi, tu caches toujours le pain en argent. Chloé et sa sœur adorent se chamailler. Oh, je t'en prie. Les disputes, c'est ce qui pimente la vie. Si tout le monde s'entendait, imagine comme on s'ennuierait à la longue. Vraiment, je préfère m'ennuyer. Si ces deux-là ne se pressent pas, on va tous être en retard. Prends un numéro, Sarah. Les sœurs Pimbèche remettent ça. Qu'est-ce que tu as fait de ta superbe jument? Ah oui, justement, je venais vous en parler. Je ne viens pas. Quoi? Tu plaisantes? Sarah, tu restes ici? Vraiment? Chouette! Silence, vous deux! Sarah, pourquoi? Tu ne te sens pas bien? Non, c'est juste que j'ai décidé de redonner à Marie l'envie de remonter. Ça alors? Formidable! Tu veux que je reste avec vous? Non, c'est bon. Je peux me débrouiller seule. Je ne suis pas prête de remonter à cheval, c'est vrai. Mais je suis encore capable de nettoyer un box. Ils sont partis. Je vais enfin pouvoir être tranquille. Hein? Sarah? Tu n'as pas envie de participer au concours? Non, je préfère faire du cheval avec toi. Ah oui? Eh bien, tu peux faire une croix dessus. Marie, attends! Je suis sûre qu'elle va la convaincre d'y aller. Oui, espérons-le. Oh, Scarlett, qu'est-ce qui te fait souffrir? Où as-tu mal? Je ne tiens pas à parler de ça et je ne veux pas que Sarah le sache. Marie! Quoi? Tu ne devrais pas renoncer aussi rapidement. Tu es déjà tombée de ton cheval. Tu as déjà eu le souffle coupé. Ça fait peur. Je sais, mais tu dois quand même surmonter ta peur. Qu'est-ce que tu en sais de toute façon? Je parie que tu n'as pas souvent eu peur de quelque chose. Tu me connais très mal, ça se voit. Quand j'étais plus jeune, j'arrivais tout le temps en retard à l'école. Il y avait un chien qui me terrorisait. Je n'osais pas passer devant sa maison. Je n'arrivais même pas à marcher sur le trottoir d'en face. Aussi, je préférais faire un détour. Alors, mon professeur m'a averti qu'au prochain retard, je risquerais d'avoir des ennuis. Je savais qu'il faudrait que je prenne la limousine pour aller à l'école et je ne voulais pas que les autres élèves me prennent pour une snob. Alors, un matin, j'ai dû affronter ma peur. Tout va bien, Sarah. Je reste derrière toi en cas de besoin. Merci, papa. Je vais y arriver. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis passée devant le portail. Et finalement, le gros chien méchant s'est avéré n'être qu'un gentil petit caniche blanc, mais qui aboyait très fort. Très émouvant. Je m'en souviendrai la prochaine fois que je serai terrorisée par un toutou. Écoute, tout ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas surmonter ta peur si tu refuses de l'affronter. Et si on allait promener nos juments dans la prairie? Tu n'es pas obligée de la monter si tu ne veux pas. D'accord. Mais à pied, alors? C'est joli par ici. Oui. Alors, tu ne veux pas faire un petit essai? Non, pas encore. Vraiment? Ça fait pourtant des heures qu'on marche. Tu ne veux pas monter 5 minutes? C'est facile, aie confiance. Ça ne va pas? Tu as mal? Oh non! Elle a une colique! Quelque chose doit boucher son intestin! Ça peut devenir très grave. On devrait rentrer. Je ne peux pas la monter! Dans son état, elle ne devrait même pas marcher! Marie, tu es notre seul espoir! Va vite appeler le vétérinaire, s'il te plaît! Grimpe sur ce cheval! Moi? Mais... tu me fais une blague, c'est ça? Ce n'est pas une blague, je t'assure. Tu sais ce qu'une colique peut faire. Regarde-la. Scarlett, non! Elle risque d'avoir besoin d'une opération. Elle doit voir un vétérinaire. Maintenant! Oh, calme-toi. Pitié, Marie. J'ai tellement peur pour elle. D'accord. J'y vais. On y va. Vraiment? Oh, merci. Bon, arrête de pleurer. Tout va vite s'arranger, c'est promis. Tu peux compter sur Calypso et sur moi. Très bien. Pas trop vite, d'accord? Le docteur Martin n'habite pas très loin. Je sais, Sarah. On va le trouver. Fais-nous confiance. Mais oui, j'ai confiance.
Ne t'inquiète pas. Allez, ma belle, nous allons affronter notre peur. Affronter la peur. Affronter la peur. Chut, ma jolie, détends-toi. Ça te fait du bien, ça, non? Ce massage des oreilles, ça devrait t'aider à oublier la douleur. Allez, courage, les secours vont bientôt arriver. Oh, Scarlett, ne me dis pas que tu as peur du vétérinaire. Tu n'as pas de raison d'avoir peur, ma belle. Tu vas vite guérir, c'est promis. Oh, pas de chance. Je ne vois pas de portail. Autrement dit, je ne crois pas qu'on ait trop le choix. On peut y arriver. On va y arriver. Regarde devant toi, les talons baissés. Penché en avant, fesses en arrière. Réussi. Et maintenant le docteur Martin. Bien joué, ma belle. Merci pour le saut. Et merci de m'avoir fait confiance. Scarlett, tu vas devoir surmonter ta peur. Tout comme cette brave Marie, tu peux y arriver. Tu dois laisser le vétérinaire te soigner. Marie et Calypso sont allés chercher le docteur Martin et ensuite il a ramené Scarlett. Vous avez raté toute l'expédition de sauvetage. C'est toi qui as raté un sacré spectacle, je te signale. Nous avons tous fait un malheur. On a rapporté plein de rubans. Eh bien, excuse-moi. J'imagine que gagner quelques bouts de tissu, c'est plus important que sauver une amie malade. Calypso a été fantastique. Elle l'a sauvée. C'est une héroïne. C'est la meilleure. Je n'ai rien fait. C'est le vétérinaire. Oui, mais il n'aurait pas pu arriver à temps si tu n'avais pas été là. Merci, Calypso. J'ai vraiment été stupide de ne pas dire à quelqu'un que j'avais mal au ventre. Je n'ai fait qu'empirer les choses. De toute façon, il fallait bien que je voie le vétérinaire. Assez parlé de Scarlett et de Calypso. Elles ont gagné des rubans? Non. Vous allez arrêter, tous les deux. Ce n'est pas vous qui avez reçu le ruban bleu. C'est Apache. Oui, c'est vrai. Pourquoi n'as-tu rien dit? Ce n'est pas si important. À mon humble avis, Calypso et Marie, ce sont elles les vraies championnes. Je vous assure, cette fille est formidable. Merci, Marie. Tu es la meilleure. Arrête, grâce à toi, j'ai surmonté ma peur. Je me doute bien que je finirai par en avoir d'autres. Mais la prochaine fois, je saurai comment faire pour m'en débarrasser. Oui, c'est très touchant. Tellement émouvant que je tiens à affronter ma peur. D'accord. Je suis contente de revoir la bonne vieille Marie. Hé, hey, Chloé, c'est ça ta fameuse peur? Joli saut! Bravo! Tu as fait beaucoup de progrès! C'est très réussi! Bravo, Marie! Marie va devenir une championne, tu ne crois pas? Oh, elle a appris plus que ça. Maintenant, elle sait quoi faire quand elle a peur. Ce n'est pas la seule. Moi aussi, je
vous le jure, je vais affronter mes peurs. Tu as raison, moi aussi. Pardon? Tu es d'accord avec quelque chose que j'ai dit? Mais oui, parce que ce que je redoute le plus, c'est que tu me marches une nouvelle fois sur la queue. Mais tant que je suis face à toi, tu ne peux pas le faire. Dommage. Il va falloir te mettre des yeux derrière la tête. Bonne idée, non? C'est ça, moque-toi. Au revoir, je pars.